Les enfants des écoles Mémé et Chevreuil vont lire une lettre du poilu Quenouillet. Victor Georges Alain est né en 1888 à Petit-Quevilly. Il s'est marié en 1912 à Petit-Quevilly avec Rose-Amélie Charlotte Mallet. Il exerçait la profession. Nous avons de la pluie tous les jours. Et dans l'entrechê, il y a de la boue et de l'eau depuis 4 jours. Ils viennent, et c'est dur de passer la nuit dehors. On a tout mon passé, et je ne souffre plus de l'estomac. Hier, il y a la mort de... Tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France. Chef d'escadron Romain Chomel de Jarlieu, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Adjudant Alexandre Crotin, 4e régiment de chasseurs, mort pour la France. Les cérémonies ont lieu au format restreint, sans public et dans le strict respect des mesures de distanciation. En cet instant, j'ai bien évidemment une pensée pour les élèves des écoles Chevreuil et Gabriel Méret, qui ont préparé depuis la rentrée leur participation à cette cérémonie dans le cadre d'un travail complet sur la Première Guerre mondiale, qui devaient être présents aujourd'hui avec nous et qui sont représentés ce matin par deux de leurs camarades. Nous leur devons les bleuets que nous portons à nos boutonnières et je les en remercie chaleureusement. Commémorer, c'est faire de l'éducation civique, de la pédagogie citoyenne. La France n'est rien sans ce que les Français ont en commun. Nos valeurs communes, le socle de notre nation, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi la laïcité. Le 11 novembre, c'est la fête de la France unie, la fête de la volonté d'un peuple de résister pour la liberté de demain, c'est-à-dire pour notre liberté d'aujourd'hui. La Première Guerre mondiale, c'est l'histoire d'une des plus grandes souffrances humaines. Et c'est au nom de l'humanité, par simple amour de la vie, qu'il nous faut en garder la mémoire. Ici, à Petit-Quevilly, nous sommes donc réunis une fois encore pour honorer celles et ceux qui sont tombés au combat. Les soldats de la Première Guerre mondiale, mais également toutes celles et tous ceux qui ont donné leur vie au cours des conflits qui ont ensanglanté notre histoire, pour défendre notre pays, pour défendre notre liberté, pour défendre nos valeurs. C'est pour que nous vivions en paix que ces hommes et ces femmes auxquels nous rendons hommage aujourd'hui ont donné leur vie. Alors soyons fiers de notre République, laïque, sociale, ouverte, fraternelle, égalitaire, européenne, pacifiste, mais prête à défendre ses valeurs. C'est pourquoi nous devons combattre toute idéologie totalitaire, d'où ne peut surgir que le malheur. Mais aussi nous devons faire de la solidarité, de l'attention à l'autre, notre priorité, plus encore dans le contexte de crise que nous connaissons actuellement et qui risque de durer. Les soldats de 14-18, au-delà de leur souffrance et de leur sacrifice, n'avaient qu'un espoir, qu'une ambition, que leur guerre soit la dernière, la der des der. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et pourtant, depuis maintenant plus de 70 ans, l'Europe vit en paix. L'Europe réconciliée est, et nous le souhaitons, sera demain plus encore, la réponse que les poilus de 14-18 attendaient. Ensemble, devant notre monument aux morts, honorons la mémoire de ceux qui se sont battus pour la paix, pour nos valeurs et pour nos droits. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il revient de les faire vivre, de les défendre et de les rendre accessibles à tous, très concrètement. Vive la paix, vive la République et vive la France. Écoutez le temps.